Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, et merci aussi à ceux et celles qui ont organisé cette soirée. Je suis très honoré, évidemment, d'être ici parmi vous pour présenter ma vision, une vision particulière du bien commun, et quelques chapitres de ce livre, bien sûr, parce que je ne vais pas couvrir tout le livre. On pourra peut-être par la suite avoir des questions sur d'autres sujets, si vous le désirez. Je vais parler en français. Je suis désolé. Je ne parle pas espagnol et j'ai un petit peu honte, mais disons que je suis vraiment très honoré que vous soyez ici ce soir et je suis très heureux d'échanger avec vous. Donc je vais faire une présentation maintenant et puis bien entendu après nous pourrons échanger. Je suis très bien dans ce fauteuil d'ailleurs, il est très confortable, c'est un peu inquiétant. J'ai l'habitude de bouger sur scène et de gesticuler et là je suis tranquillement installé dans mon fauteuil. D'abord, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas économiste, essayez de comprendre qu'est-ce que fait un économiste et les deux fonctions de l'économie. Je crois que c'est très intéressant. C'est l'économie, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres sciences, c'est d'abord une science descriptive, c'est-à-dire que ça cherche à décrire les comportements des individus, des entreprises, des organisations, des pays, des groupes sociaux. Et pour cela, il faut évidemment se baser sur des données existantes ou alors des données qu'on va aller collecter sur le terrain par des expériences en laboratoire et essayer d'en tirer certaines corrélations et certains patterns d'une certaine manière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas que les économistes qui font ça, évidemment toutes les sciences font ça et puis il y a aussi évidemment les entreprises. Quand vous regardez un peu ce que fait le Big Data aujourd'hui, c'est effectivement utiliser des données. Quand vous allez sur Netflix ou Amazon ou Spotify, ces entreprises vont vous recommander des films, des livres ou de la musique sur la base de vos consommations passées, vos goûts personnels, mais aussi sur la base de grosses bases de données qu'elles ont collectées. Et ils auront repéré évidemment que des consommateurs ont des goûts similaires, certains consommateurs ont des goûts similaires aux vôtres et ont consommé certaines choses. Donc, la base de ces corrélations, ils vont essayer de vous recommander des livres, des films ou de la musique. De même, Google saura sur son moteur de recherche, Chrome, vous orienter vers ce que vous êtes en train de chercher. De même, de l'autre côté du marché, vous avez les annonceurs qui vont pouvoir cibler leur publicité parce qu'ils connaissent vos goûts, ou plutôt Google connaît vos goûts. Donc ça, c'est une première fonction qui est un peu de décrire, essayer de trouver quelques corrélations entre les différentes variables. Et puis le deuxième aspect qui est vraiment important pour le bien commun, c'est aussi d'être prescriptif, d'être normatif. Et pour cela, il faut utiliser un cadre théorique. Un cadre théorique, c'est vraiment une conception du monde. On essaie de comprendre, c'est une lentille un petit peu sur le monde, un cadre de pensée. Après, on obtient des relations de causalité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation de causalité? C'est simplement essayer de dire c'est A qui génère B, mais c'est pas B qui génère A. Où ce n'est pas une troisième situation où A et B varient ensemble, mais sous l'influence d'un troisième facteur. Donc on essaie de dire qu'est-ce qui implique quoi, qu'est-ce qui génère quoi, et puis d'en tirer des conclusions de politique publique. Donc l'analyse causale permet d'expliquer des phénomènes, mais elle ouvre aussi une fenêtre sur le monde, et elle permet de concevoir la politique publique, et c'est là que le bien commun, évidemment, rentre en jeu. Alors, cet exposé va avoir trois parties, en gros. La première partie va consister à décrire l'économie du bien commun, qui est un peu la colonne vertébrale du livre. Et pour certains, ça peut être même vu comme un oxymore. Ceux qui n'aiment pas trop l'économie peuvent penser qu'est-ce que c'est économie, bien commun. Et ce que je voudrais essayer de vous convaincre, évidemment, ce dont je voudrais vous convaincre, c'est évidemment que l'économie doit et peut contribuer au bien commun. Deuxième sujet, la moralité des marchés, parce qu'évidemment, les économistes sont souvent associés à l'économie de marché. Alors même si l'économie de marché, c'est le monde entier de nos jours, sauf peut-être la Corée du Nord, c'est quand même connoté, ça a une certaine connotation, l'économie de marché. Et beaucoup de personnes se posent des questions sur est-ce qu'un marché, c'est moral? Est-ce qu'on devrait avoir n'importe quel marché possible et imaginable? Et donc, on va se poser un petit peu ces questions. Les marchés, est-ce que c'est compatible avec la moralité, est-ce qu'on devrait les empêcher, les interdire, etc. Et enfin, la troisième partie, je parlerai un petit peu de la façon dont les économistes conçoivent la moralité. Alors c'est peut-être
très spécifique aux économistes. Et évidemment, il y a beaucoup de sciences sociales et humaines, y compris évidemment les philosophes, qui ont beaucoup parlé de la moralité. Et vous dire un peu comment les économistes se situent un petit peu et comment ils essaient de faire progresser aujourd'hui nos connaissances sur la moralité par leurs expériences, par leurs théories. Alors, premier sujet, c'est quoi l'économie du bien commun ? Alors, c'est une question importante. Je dirais que c'est, avant que je définisse le bien commun, je dirais que c'est une ambition. C'est une ambition de faire en sorte que les intérêts individuels aillent dans le sens de l'intérêt collectif. Parce qu'en général, il n'y a aucune raison que votre intérêt individuel aille dans le sens de l'intérêt commun. Et donc, nous étudions des situations en tant qu'économistes dans lesquelles l'intérêt individuel rentre en conflit avec l'intérêt collectif, et on essaie de construire des politiques qui justement tendent à faire converger ces deux notions. Par ailleurs, nous n'avons pas de préjugés ni sur est-ce que le marché c'est bien ou est-ce qu'une intervention de l'État c'est bien. Ce ne sont que des instruments. In fine, ils sont au service du bien commun. Donc, si le marché est meilleur, le marché c'est très bien. Si l'État a des avantages, on utilisera l'État. Mais ce ne sont jamais que des instruments. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ça ne doit pas être des idéologies, fondamentalement. Et ce sont trop souvent des idéologies. Alors, ma vision, c'est qu'on oppose souvent, évidemment, le marché et l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression, il y a ceux qui poussent pour le marché, il y en a d'autres qui poussent pour plus d'État. Mais pour moi, ils sont très complémentaires, le marché et l'État. D'abord, parce que le marché a ses défaillances. Et donc, il faut bien que l'État soit là pour corriger ses défaillances. Par ailleurs, l'État lui-même a ses propres défaillances, je reviendrai là-dessus. Et l'État a besoin d'incitation aussi. Donc, c'est vraiment important de combiner les deux. Et je voudrais dire que les Français, alors je ne sais pas pour les Espagnols, mais j'imagine qu'il y a quand même aussi une corrélation très forte, ont une conception très bizarre du libéralisme. Ils identifient le libéralisme avec le laisser-faire. Et le libéralisme, ce n'est pas du tout le laisser-faire. Le libéralisme, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire de dire, on essaie de responsabiliser les acteurs économiques, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit les administrations, aller dans le sens du bien commun. Donc on les responsabilise, mais on ne se substitue pas à eux, on ne décide pas pour eux, parce qu'on n'a pas forcément l'information pour, mais on essaie de rendre leurs incitations plus congruentes avec celles de la collectivité. Deux exemples, parce que c'est évidemment très abstrait, et je m'excuse, mon propos va être assez abstrait aujourd'hui, mais il faut quand même prendre des exemples. Vous prenez par exemple l'exemple du climat. C'est un sujet évidemment très important. Et notre intérêt individuel nous pousse tous, évidemment, à émettre un peu trop de carbone, parce que souvent, ça coûte moins cher de ne pas faire l'isolation de sa maison, d'avoir une voiture qui émet un peu plus de carbone, etc. Et on sait très bien, par ailleurs, et ça a été le constat de la COP21 de nouveau, que si on ne fait pas d'efforts suffisants, on va aller bien au-delà des 1,5 de degrés Celsius de réchauffement climatique, qui serait absolument catastrophique pour l'humanité. Et pour ça, il faut que les acteurs soient responsabilisés. Alors, on est tous prêts à faire des petits efforts, bien sûr, pour le climat. Mais l'expérience, c'est qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait vraiment pas assez, on est très très loin du compte. Et donc il faut que les acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, soient responsabilisés vis-à-vis du climat. C'est-à-dire concrètement, on les taxe pour leurs émissions de carbone, de sorte qu'ils internalisent le bien commun. Et il faut accepter, et ça c'est vraiment très important, on ne comprend pas ça souvent, mais il faut accepter de perdre quelques points de PIB, un peu de croissance, parce que le climat en vaut la peine. D'accord ? Alors on peut parler de croissance verte, on peut dire on va croître tout en étant vert. Si c'était vrai, ça serait bien, mais on serait vraiment stupide si on n'allait pas vers plus de croissance en étant vert. Donc ce qu'on voudrait faire évidemment, c'est avoir plus de croissance et être vert à la fois, mais on le ferait déjà, ça se saurait. Donc il faut accepter de perdre un peu de croissance, un peu de points de PIB pour le climat. Alors à ce sujet, j'ai été frappé par l'autocomplaisance, et là je suis un peu dur bien sûr, de nos États après la COP21. C'est-à-dire que tout le monde annonçait la victoire contre le réchauffement climatique parce qu'on avait fait des promesses. On avait fait des promesses
D'abord, pour respecter les 1,5 degrés Celsius de réchauffement, et on a fait des promesses pour transférer 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres. Mais ce sont des promesses essentiellement collectives. Alors, clairement, dans le cas des transferts, mais même de facto dans le cas des engagements, parce que c'est des engagements volontaires qui ne sont absolument pas liants. Et donc, ces promesses collectives, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et donc, je pense qu'il faudrait faire plus pour le climat, et je suis très inquiet. Et d'ailleurs, j'ai vu aucun gouvernement, aucun chef d'État rentrer chez lui ou chez elle en disant, maintenant, on va se retrousser les manches. Ils sont tous rentrés chez eux en disant, on a gagné la lutte contre le climat, le réchauffement climatique. Donc, c'est un premier exemple où on voit très bien la divergence entre l'intérêt individuel, que ce soit l'intérêt des ménages, l'intérêt des entreprises, l'intérêt des pays, et puis l'intérêt collectif. Deuxième exemple, la solidarité vis-à-vis de la santé, face à la santé. Nous ne sommes pas responsables de nos gènes. Donc, on peut être en bonne santé, on peut être malade, ce n'est pas de notre faute, nous n'en sommes pas responsables. Et c'est un exemple où, par exemple, le marché ne fonctionne pas bien s'il est laissé à lui-même. Pourquoi? Parce que, surtout avec la génétique et maintenant aussi le numérique, les entreprises en sauront de plus en plus sur vous. Mais même déjà aujourd'hui, on peut faire des polices d'assurance et des complémentaires d'assurance très bon marché à ceux qui seront en bonne santé. Évidemment, faire payer beaucoup, beaucoup plus ceux qui ont déjà un cancer ou vont avoir un cancer ou d'autres maladies de longue durée. Et donc, des affections de longue durée. Donc, c'est vraiment très important si on veut vraiment avoir une assurance face aux risques de santé auxquels nous faisons tous face, de ne pas avoir de sélection de risques. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans le monde, dans tous les pays où l'assurance santé est gérée de façon privée, il y a quand même une régulation très forte de l'État pour empêcher la sélection des risques. Parce qu'autrement, on n'aurait pas d'assurance. Évidemment, ceux qui seront en bonne santé paieraient très peu, et ceux qui seraient en mauvaise santé paieraient des sommes infinies. Donc, de nouveau, là, on a besoin d'intervention de l'État dans les marchés. Il y a certains marchés qui ne vont pas fonctionner bien d'eux-mêmes. De même, une économie de marché n'a aucune raison de générer une distribution des revenus ou une distribution des richesses qui correspondent à ce qu'on voudrait avoir pour la société. Alors, ce qu'on voudrait avoir, je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même un concept important. Les sciences humaines et sociales, dont l'économie, ont pour objet de rendre le monde meilleur. Et c'est vraiment, je le pense vraiment très fort, c'est un message qu'il faut comprendre. C'est notre rôle en tant que spécialiste des sciences humaines et sociales de rendre le monde meilleur. Mais ça pose plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un monde meilleur? Qu'est-ce que c'est que le bien commun, après tout? C'est dans le titre d'un livre, mais il faut savoir aussi un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. L'État est-il seul à prendre en charge ce monde meilleur? Est-ce que, justement, nous, par nos actions, nous devrions aussi y participer? Et puis, allons-nous vers le bien commun, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde meilleur? Et on voit tout de suite une difficulté à définir ce que c'est qu'un monde meilleur, ou à définir ce que c'est que le bien commun. Parce que nous avons tous des positions différentes dans la société. Nous avons différents milieux socio-professionnels, nous avons différentes appartenances religieuses ou ethniques, différentes nationalités. Nous pouvons être un homme ou une femme, nous pouvons avoir des orientations sexuelles différentes, nous pouvons avoir des goûts culturels différents, etc., etc. Nous sommes tous différents. Et donc, quand on regarde la société, évidemment, on regarde la société à travers le prisme de notre position dans la société, de nos goûts, de nos préférences. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a autant de conception du bien commun qu'il y a d'individus dans cette salle, par exemple? Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ce que je propose, je dois dire tout de suite, n'est pas du tout original, parce qu'elle a une longue tradition philosophique qui a commencé, par exemple, par Hobbes et Locke en Angleterre. Et en Europe continentale, évidemment, il y avait Rousseau et son contrat social, il y avait Kant. Et puis, aux États-Unis du XXe siècle, il y a Rawls, philosophe, ou l'économiste Harsanyi, qui ont proposé la chose suivante, qui est une chose extrêmement simple, finalement. Alors, difficile à mettre en œuvre, mais extrêmement simple. C'est vous mettez derrière le voile d'ignorance. Qu'est-ce que c'est que le voile d'ignorance? C'est-à-dire, vous n'êtes pas corné, vous ne savez pas
quelle sera votre place dans la société. Vous ne savez pas si vous serez un homme ou une femme. Vous ne savez pas si vous allez naître dans un milieu favorisé du 5e arrondissement de Paris ou est-ce que vous allez... Alors, j'espère qu'il n'y a personne de Lozère ici, parce que chaque fois que j'utilise la Lozère, évidemment, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit mais je suis de Lozère. C'est toujours difficile. Vous ne savez pas si, à l'avance si vous allez avoir la chance d'être en bonne santé ou vous allez avoir des problèmes de santé. Vous ne savez pas si vous allez grandir dans une famille instruite ou peu cultivée, athée ou croyante, etc., etc. Donc, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas si vous allez être français, espagnol ou indien. Et donc, vous posez la question, dans quelle société aimerais-je vivre? Et ça, c'est vraiment une question tout à fait fondamentale et qui est une question extrêmement difficile. Parce que ça dépend des goûts personnels, mais aussi c'est très difficile de s'abstraire de son vécu, de sa position dans la société. Essayez de vous poser la question, dans quelle société j'aimerais vivre? Mais c'est quand même un exercice tout à fait fondamental. Parce que même si nous sommes conditionnés par notre position, par notre vécu, qui sont façonnés par, effectivement, les mythes, les narratifs, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu nous-mêmes, et qui, évidemment, sont façonnés eux-mêmes par un certain nombre de fabricants, si je puis dire, de narratifs, il faut quand même pouvoir se poser cette question si on veut commencer à définir le bien commun. Une fois qu'on a défini le bien commun, donc dans quelle société j'aimerais vivre, tout s'illumine d'une certaine manière. Par exemple, vous prenez quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est le droit à quelque chose. Le droit à quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce droit à quelque chose? On a le droit à l'éducation, on a le droit à la santé, on a le droit à ceci, à cela. C'est quelque chose qui sort de nulle part, d'une certaine manière. D'ailleurs, parfois, ces droits sont en conflit. Mes droits peuvent être en conflit avec les vôtres. Mais quand vous réfléchissez derrière le voile d'ignorance, le droit, vous pouvez maintenant réfléchir, est-ce que ça a sens ou au contraire, ça n'a pas de sens. Par exemple, le droit à l'éducation, c'est simplement une police d'assurance derrière le voile d'ignorance contre le risque auquel vous faites face selon le milieu ou la localisation là où vous êtes né. Donc, c'est une façon de vous assurer. Le droit à la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire que derrière le voile d'ignorance, vous ne savez pas si vous allez être en bonne santé ou en mauvaise santé, vous voudriez une certaine assurance contre ça. De nouveau, c'est une simple police d'assurance. Et donc, c'est vraiment très, très important de réfléchir dans ces termes-là. L'État est-il seul en charge du bien commun? Alors, l'État est là, comme je vous l'ai dit, pour corriger les défaillances de marché. Alors, il y a beaucoup de défaillances de marché. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le pouvoir de marché de grosses entreprises. Mais il y a beaucoup d'autres défaillances dont je parlerai par la suite. Et même, vous pouvez même voir, par exemple, l'inégalité comme étant une défaillance du marché. Le marché peut ne pas assurer suffisamment d'égalité entre les citoyens. C'est le rôle de l'État d'œuvrer pour le bien commun. Mais parfois, l'État, évidemment, a ses propres défaillances. Et parfois, il va à l'encontre du bien commun. Juste un exemple, nous laissons aux générations futures le réchauffement climatique, mais aussi la dette publique, les retraites non financées, le chômage, une éducation qui n'est pas forcément au niveau des enjeux. Là, on voit très bien que l'État joue contre le bien commun. D'accord ? Alors, évidemment, il utilise l'égoïsme de nos propres générations vis-à-vis des jeunes, mais y compris des jeunes qui ne votent pas actuellement, qui ne sont pas en âge de voter ou qui ne sont même pas forcément nés. Mais on voit très bien que dans ces exemples que l'État joue un petit peu aussi contre le bien commun. Alors je devrais quand même signaler quelque chose. Je ne jette pas la pierre à la classe politique. Je pense pour deux raisons. D'abord, parce que c'est dangereux pour la démocratie. Si on compte, évidemment, il y a des politiciens que j'aime plus que d'autres, il y en a qui sont plus courageux que d'autres, il y en a qui ont des valeurs supérieures à mon goût, à mon avis, à d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux hommes politiques parce que c'est dangereux pour la démocratie. Je laisse ça aux partis populistes, mais aussi parce que je pense que c'est aussi dangereux pour nous-mêmes. C'est dangereux pour nous-mêmes parce que c'est une position assez naïve de croire que finalement les hommes politiques peuvent tout et auront le courage de faire tout. Les hommes politiques, ils sont comme vous et moi. Ils réagissent à leurs propres incitations.
Alors souvent, d'ailleurs, ils commencent très idéalistes. D'ailleurs, quand ils entrent dans la carrière politique, il y en a un certain nombre qui commencent de façon très idéaliste. Et puis après, évidemment, vous êtes homme politique, vous voulez être élu. Vous voulez être réélu, c'est normal. Et ça veut dire que si vous voulez être élu, réélu, ben, il va falloir céder à certains lobbies. Il va falloir suivre l'opinion publique, même si vous savez que l'opinion publique ne va pas dans le bon sens, ne va pas vers le bien commun. Et donc, il ne faut pas faire preuve de naïveté. Il faut ni blâmer les politiques, ni leur jeter la pierre, ni non plus penser que ce sont des surhommes. Ils sont comme vous et moi, ils réagissent à leurs incitations. Donc, effectivement, et on voit très bien que l'État, qui normalement devrait se projeter dans le long terme, a tendance à se projeter dans le très court terme. L'horizon des hommes politiques, c'est souvent la prochaine élection, il faut bien le dire. Et donc, ils ont tendance à, finalement, aller dans le sens des préjugés des électeurs. Et ça m'amène un petit peu à notre devoir sociétal en tant que spécialiste des sciences humaines et sociales, ou même des sciences dures aussi, c'est d'expliquer, finalement, aux citoyens, d'arriver à expliquer aux citoyens les enjeux pour avoir une démocratie qui fonctionne vraiment. Alors l'État peut aussi avoir ses propres limitations. Hein. Je veux dire, par exemple, il n'y a pas un État, ça n'existe pas. Il y a 200 États dans le monde, au minimum. Et donc évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, même si on est bien intentionné, même si on a le courage, finalement, de perdre des élections. Et finalement d'aller dans le sens du bien commun. C'est-à-dire qu'un certain nombre de politiques, on ne peut pas y arriver tout seul. Je pense par exemple au climat, bien sûr, c'est l'exemple précédent, mais aussi à la régulation bancaire, aux accords de fiscalité, etc., etc. Et puis l'État ne peut pas tout policer. Par exemple, vous prenez les pollutions et les nuisances mineures, le respect des autres. Vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen, derrière chaque entreprise. À un moment ou à un autre, il faut des normes sociales. Il faut que des normes sociales se développent parce qu'on ne peut pas finalement tout policer. Je crois que c'est vraiment important à comprendre. Et finalement, les économistes, comme d'ailleurs les sociologues et beaucoup d'autres disciplines, travaillent beaucoup sur les normes sociales et la façon dont ces normes sociales évoluent au cours du temps et en fonction des politiques publiques. Allons-nous vers le bien commun? Je n'ai pas de réponse. Hein. Comme j'explique dans le livre, les économistes, je pense, sont très bons à certaines choses, mais très mauvais à d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'attendre d'économistes, par exemple, qu'ils soient bons à la prédiction. Ils seront meilleurs, et je crois qu'on attend beaucoup. Non, mais je suis très sérieux. Ils attendent. Le public attend beaucoup des économistes des prédictions. Mais les économistes sont bien meilleurs à identifier les facteurs, par exemple, qui peuvent provoquer une crise souveraine ou une crise bancaire, qu'à déterminer la date de cette crise, et je pourrais entrer dans les détails. Mais ils ne sont pas très différents finalement d'autres personnes. Votre médecin pourra vous dire, ben, vous êtes à risque de cancer, de crise cardiaque, etc. Si vous lui demandez, mais j'aurai une crise cardiaque à quel moment, ben, votre médecin il vous regarde comme ça. Et de même, un sismologue va vous dire, ben, attention, vous êtes dans une zone où il pourrait très bien y avoir un tremblement de terre. Et puis vous lui demandez, mais quand? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vous êtes même sûr que ça va arriver? Ben, vous regardez, ben, pas forcément. Donc, il n'y a pas que la prédiction, et je pense qu'on pourra rentrer plus dans le détail dans les questions si ça vous intéresse. Mais je crois qu'on demande souvent trop aux économistes des prédictions, qui est un domaine dans lequel ils ne sont pas très bons. On peut quand même dire, voilà, attention, il y a un danger pour, je sais pas, une crise de change en France, je ne sais pas. Il peut y avoir certains dangers, mais on peut identifier les causes. On peut dire non, non, il ne faut pas faire ça parce que c'est une politique dangereuse. Mais si vous demandez de prévoir quand il y aura une panique bancaire, là, l'économiste ne sera pas très bon. Et je ne vais pas vous prédire exactement quand on va aller plus vers le bien commun. Je pense qu'on est encore à une certaine distance du bien commun. Mais je n'adhère pas non plus au déclinisme. Il y a des gens qui disent que c'était bien meilleur avant. Et ça, je pense que c'est faux. C'est faux sur une échelle de temps courte, mais évidemment même sur une échelle de temps longue. Si vous regardez un petit peu sur l'échelle de temps longue, prenez l'évolution de la violence, du niveau de vie, de la santé. Vous regardez sur l'échelle de temps longue, il n'y a pas photo, si je puis me permettre. C'est vraiment. On croirait vivre dans un monde
qui n'est pas bien, mais il y a une évolution qui est quand même extrêmement positive. On a l'impression de vivre dans un monde très violent. Mais si vous prenez les travaux de l'archéologue Ian Morris, qui est un archéologue à Stanford, il a bien montré qu'à l'âge de pierre, en fait, la probabilité de mourir violemment était de 10 à 20%. Alors qu'au XXe siècle, le XXe siècle avec ses guerres mondiales, ses génocides, ses goulags, ses guerres civiles, la probabilité est de 1 ou 2%, bien moindre. Le développement, jusqu'à la révolution industrielle, il n'y avait pratiquement pas de développement, d'acquisition de richesses. Il n'y a pratiquement pas d'amélioration de la santé. Et regardez ce qui s'est passé en 2 siècles. C'est absolument incroyable et ça va continuer. Donc c'est vrai, on peut regarder le monde actuel, il n'est pas satisfaisant, on peut lui reprocher tout ça. Mais le déclinisme n'a pas de sens. En fait, il y a un progrès. Alors évidemment, il y a des secousses, mais pourquoi il y a ce progrès? Évidemment, il y a le progrès technologique, mais le progrès technologique, il aurait pu arriver. Au IIIe siècle, il n'est pas arrivé au IIIe siècle, il est arrivé au XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle, et ça va de plus en plus vite. Il y a un progrès des institutions. En tant qu'économiste, évidemment, je suis intéressé énormément par les institutions et la création de l'État moderne. Parce que si l'État moderne, évidemment, crée des guerres, il supprime aussi beaucoup de violences, il supprime un certain nombre de guerres civiles, il supprime l'appropriation violente des biens et des êtres humains, il ne faut pas oublier. Il supprime beaucoup de choses très violentes. Et je pense qu'on comprend petit à petit, et je suis très critique sur notre compréhension de l'économie et d'autres domaines, et la montée des populismes, bien sûr, mais il y a quand même une compréhension qui s'améliore au cours du temps. Si vous regardez, par exemple, par rapport à il y a 60 ans, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui s'aventureraient dans une prédiction qu'une économie planifiée nous apporterait plus de bien-être. C'est vrai qu'on a appris notre leçon, mais ce n'était pas le cas il y a 60 ou 80 ans. Il y a 60 ou 80 ans, il y a beaucoup de personnes qui, sincèrement, y compris beaucoup d'intellectuels de haut niveau, pensaient que l'avenir de l'humanité était effectivement dans les économies planifiées. Alors évidemment, avec le bilan comparé, je sais pas, prenons un exemple simple, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, ou de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. En termes économiques, mais pas seulement en termes économiques, en termes de pauvreté, en termes d'environnement, en termes de création culturelle, en termes de liberté individuelle, je pourrais multiplier les dimensions. Évidemment, ça nous a dissipé nos illusions. Alors, évidemment, on aurait pu le prévoir, on aurait évité beaucoup d'erreurs. Et je pense que la compréhension, finalement, des mécanismes économiques et des mécanismes politiques aura pu éviter énormément de ces erreurs et beaucoup de coûts humains. Aujourd'hui, il y a d'autres erreurs qu'on fait. Il y a d'autres erreurs qu'on fait, mais au moins on a déjà appris. Je pense qu'on a amélioré notre gestion. Mais comme je le disais, évidemment, on a nouvelles illusions, et comme on le voit avec le Brexit, comme on le voit avec l'élection américaine, comme on ne le verra pas avec l'élection française dimanche prochain. Mais n'oublions pas qu'en France, quand même, la moitié des électeurs ont voté pour des plateformes très, des programmes, pardon, très, très populistes. Et c'est quand même assez compliqué. Et on a entendu quand même beaucoup de choses, en particulier d'une candidate qui se retrouvera représentée dimanche. Et je crois qu'il faut bien comprendre que ces populistes surfent d'une certaine manière sur nos mécontentements. Parfois légitimes, comme sur la crise financière. Ils surfent sur nos inquiétudes, sur le chômage, sur l'évolution de l'économie numérique qui va chambouler toute notre économie et nos emplois, sur les dettes qu'on a accumulées, sur le changement climatique, sur toutes ces choses-là. La mondialisation, bien sûr. Et ils présentent un monde sans contraintes. On reviendrait finalement un paradis qui n'a jamais existé. Et ces marchands de rêves, je pense, ont encore beaucoup de beaux jours devant eux si on n'arrive pas à expliquer quand même les mécanismes qui sont derrière nos économies. Donc il faut progresser à la fois dans notre compréhension du monde, notre prise de conscience du bien commun. Et c'est vraiment la mission de l'économie, de l'économiste comme de tous les autres spécialistes des sciences sociales et humaines. Alors, je vais parler un peu de moralité économie et de la moralité des marchés. Ça va être le deuxième sujet de ma présentation. Et
un peu finalement d'une perception de désaccord entre les économistes et finalement le reste de la société. Alors les économistes ont des réserves vis-à-vis des marchés, bien sûr, hein. Les économistes ne sont pas intéressés par des situations où les marchés fonctionnent très bien. Les économistes passent leur vie à regarder les défaillances de marché et voir comment on pourrait y remédier. Mais quand même, un des grands apports de l'économie, c'est évidemment les argumentaires en faveur de marchés bien régulés et comment ils peuvent contribuer à la croissance et le bien-être. Les spécialistes des autres sciences sociales et humaines, les psychologues, les philosophes, les sociologues, les juristes, les politistes, avec qui d'ailleurs on travaille à Toulouse, on travaille de façon très, très proche, puisqu'on a créé il y a 6 ans un institut d'études avancées où on travaille tous ensemble pour essayer de bénéficier de nos connaissances réciproques. Donc ces spécialistes des sciences sociales et humaines qui sont non économistes, une grande partie de la société civile, une grande partie des religions aussi, ont une vision un peu différente du marché, pas forcément contradictoire, mais c'est vrai qu'ils reprochent souvent aux économistes de ne pas suffisamment tenir en compte les problèmes d'éthique et de ne pas établir une frontière claire entre ce qui relève du marchand et ce qui relève du non-marchand, ou du sacré, si vous vous souvenez de Durkheim. Un symptôme de ce malaise vis-à-vis du message économique est le succès planétaire du livre que je suppose que ça, un certain nombre d'entre vous avez vu ce livre, le livre de Michael Sandel, qui est un professeur de philosophie à Harvard, Ce que l'argent ne saurait acheter. C'est un livre, il y a beaucoup de philosophes d'ailleurs qui ont des livres avec à peu près le même titre d'ailleurs, avec des opinions très très différentes d'ailleurs, mais celui-là est particulièrement représentatif et en plus c'est très emblématique parce que ça a été un succès mondial. Alors que dit Michael Sandel? Et je vais citer simplement certains de ses exemples. Il fait valoir que toute une gamme de biens et services, comme l'adoption d'enfants, la GPA, la sexualité, la drogue, le service militaire, le droit de vote, la pollution ou la transplantation d'organes ne doivent pas être banalisées par le marché. Pas plus que l'amitié, l'admission aux grandes universités, ou, je cite, le prix Nobel, ne doivent être achetés, ou encore les gènes, ou plus généralement le vivant, ne doivent être brevetés. Donc vous voyez tout de suite, effectivement, un malaise vis-à-vis d'un certain nombre de biens et services qui pourraient être livrés au marché. Et d'ailleurs, vous avez tous entendu ce slogan très populaire, le monde n'est pas une marchandise. Donc vraiment, en disant, attention, nous ne sommes pas des marchandises, halte au marché, au moins dans certaines dimensions. Alors Kant, il y a très longtemps évidemment, avait affranchi la morale de la religion en posant l'homme comme étant libre et responsable grâce à la raison. Les économistes, on le verra, sont quand même une vision un peu différente de celle de Kant, mais ils ont évidemment emprunté cette idée de Kant, de concevoir la morale à partir d'un raisonnement et à partir d'un débat intellectuel. Je voudrais insister là-dessus parce que au moins vous présentez la vision des économistes et vous ne serez pas forcément d'accord avec cette vision, mais essayez de vous présenter de la façon dont on voit les choses parce que c'est important. Les économistes, comme les autres scientifiques, interviennent dans le débat public, proposent des politiques, donc ça reflète évidemment une certaine vision du monde, évidemment une vision du bien commun implicitement. Que ce soit implicite ou explicite, mais souvent c'est implicite et il faut la clarifier. Donc au minimum, on est obligé de dire voilà quelle est notre vision et donc il faut expliquer ce qu'on fait et après, une fois qu'on a expliqué, évidemment on peut être d'accord ou pas d'accord. Alors pourquoi j'insiste sur le débat intellectuel et la raison? Tout simplement parce que ce que nous tenons pour moral fluctue. Il fluctue au cours du temps, il fluctue entre pays, entre sociétés. Des exemples économiques d'abord. Il fut un temps où, par exemple, payer l'intérêt sur l'épargne était considéré comme étant immoral. L'assurance vie, beaucoup d'entre vous ont une assurance vie, mais autrefois, c'était considéré comme immoral, parce que ça touchait à la vie. Plus près de nous, moi je sais que je suis souvent allé, début des années 90, voir des ministres pour essayer de convaincre de lutter contre la pollution en utilisant des droits d'émission négociables ou la taxation du carbone, enfin peu importe.
Et souvent, la réaction, c'était, vous avez raison, mais c'est pas moral. Comment vous pouvez-vous payer pour polluer? Évidemment, je leur disais à ce moment-là, mais actuellement, vous ne payez pas pour polluer, c'est encore pire. Mais l'idée est simplement qu'on puisse payer pour avoir le droit de polluer. Déjà, beaucoup de gens, ça les choque, ça touche à la moralité. Alors maintenant, évidemment, avec l'expérience, on a vu que la taxation dans d'autres polluants, évidemment, le carbone, ce n'est pas encore le cas, puisqu'on n'a rien, pas fait grand-chose encore pour le carbone, mais dans d'autres domaines, on a vu qu'une taxation ou des droits d'émission négociables, ça permet d'être écologique, évidemment, de réussir des réductions de la pollution à moindre coût. Mais il n'y a pas que des exemples économiques, bien sûr. Je parlais de ce que nous tenons pour moral qui fluctue dans le temps ou dans les sociétés. Prenons des exemples sociétaux. Pendant très longtemps, ou dans la plupart des sociétés, les actes sexuels entre personnes du même sexe ou entre personnes de différentes races étaient considérés comme immoraux. Ça a changé. Mais on voit très bien, finalement, le contexte de la morale. La morale est très dépendante d'une société, très dépendante d'une vision. Je dois aussi dire que le débat intellectuel est nécessaire parce que l'absence de raisonnement, finalement, amplifie la dimension très personnelle de la morale et l'imposition de jugements de valeur. C'est-à-dire que je vais vous imposer ma morale, mes jugements de valeur. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, il faut arriver à la raison. Sinon, c'est ma moralité contre la vôtre. Et il n'y a aucun moyen de trancher. Donc, il faut prendre de la hauteur sur le sujet sans préjuger de la réponse. Elle-même très complexe. Je ne vais pas vous donner de réponse. Et évidemment, c'est à vous de forger votre propre moralité. Mais quelque chose qui me frappe, c'est l'attachement de certaines personnes à des postures d'alignation, qui sont des postures de pseudo-supériorité. Ma moralité est supérieure à la vôtre. Et l'objectif, évidemment, souvent, est de couper court à toute réflexion. Donc l'alignation, ça peut être évidemment quelque chose qui nous est utile. Un premier pas, sentir que quelque chose peut être déficient, qu'il faut peut-être réagir, mais ça doit s'arrêter là. On ne peut pas simplement imposer des choses aux autres sur un raisonnement, ou plutôt l'absence de raisonnement, sur une indignation. Il faut faire très attention avec ça parce que après, il y a des dangers vis-à-vis de nos comportements. Alors, je voudrais défendre un petit peu les économistes quand même. Ça serait dommage de ne pas défendre les économistes face à certaines critiques qui sont faites. Tout d'abord, souvent, les questions de moralité sont confondues avec de simples défaillances de marché. Et les défaillances de marché, ça fait des décennies, des siècles que les économistes les étudient, bien sûr. Donc parfois, il y a une confusion entre ce qui est immoral, qui en fait n'a rien à voir avec la moralité, mais simplement une défaillance de marché, c'est-à-dire un marché où il faut rétablir les incitations. Prenons par exemple la théorie de l'information, le fait que nous avons des informations différentes et ça a beaucoup d'implications économiques. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis plus de 40 ans, cette théorie de l'information. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent des chercheurs comme Joe Stiglitz, mais aussi beaucoup d'autres, il y a un certain nombre de prix Nobel sur la théorie de l'information. L'école d'économie de Toulouse a été fondée par quelqu'un qui a développé et qui aurait sans doute eu le prix Nobel, Jean-Jacques Lafont, qui avait développé la théorie de l'information. Donc c'est quelque chose qui est très important. Quand on entend dire qu'il y aura un marché pour l'amitié, mais c'est absurde. L'idée que vous puissiez acheter une amitié, ben ça détruirait évidemment le concept d'amitié parce que, ou alors si vous achetez l'admission à l'université, ça veut dire que un diplôme d'universitaire ne serait plus un signal de talent, ça serait un signal de richesse. Donc ça n'aurait plus aucune valeur. Vous comprenez tout de suite que c'est illogique de penser que ces biens pourraient être achetés. De même, un prix scientifique, si vous l'achetiez, évidemment, n'aurait plus aucun signal. Ça serait un signal de richesse beaucoup plus qu'un signal d'aptitude. Donc j'ai jamais compris cet argument. Souvent, on ignore aussi des questions d'externalité très simples. Donc, j'ai déjà parlé de la pollution. Vous prenez le commerce des diamants, c'est un autre exemple. Vous prenez un autre exemple. Pourquoi sommes-nous contre le commerce pour l'adoption des enfants? Ben, c'est une simple externalité. Si vous aviez un marché où finalement vous aviez des vendeurs seraient les parents biologiques des agences d'adoption,
et puis des acheteurs qui seraient les parents adoptifs, ben, ils s'échangeraient contre espèces sonnantes et trébuchantes, des enfants. Et il y a quelqu'un qui n'est pas dans ce marché, qui subit une externalité, qui sont les enfants eux-mêmes, bien sûr. Donc là, on a un exemple extrêmement simple d'externalité, où finalement cet échange aurait des externalités très fortes sur une tierce partie qui serait les enfants qui seraient échangés. Il y a aussi la notion d'internalité qui est peut-être moins familière pour vous. La notion d'internalité, c'est quand on ne va pas à l'encontre d'autres personnes, on va à l'encontre de soi-même. C'est-à-dire qu'on prend des décisions qui sont mauvaises pour soi-même. C'est-à-dire que l'individu va à l'encontre, à contre son propre intérêt, par exemple avec une préférence excessive pour le gain immédiat au détriment du bien-être de long terme. C'est ce qu'on appelle les comportements impulsifs, court-termistes, les comportements de procrastination, etc. Alors on appelle ça en jargon économique des internalités, mais évidemment, les psychologues ont parlé, les philosophes ont parlé ça depuis des siècles et des siècles. Et ça donne naissance évidemment à des politiques publiques paternalistes, puisqu'on empêche les individus d'aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Donc on voit très bien la taxation, l'interdiction du jeu, du tabac, des alcools, des drogues, l'épargne forcée ou subventionnée qui existe dans tous les pays pratiquement, le délai de réflexion pour certains achats. Vous pouvez vous rétracter pendant une semaine, par exemple. Ce sont que des exemples d'intervention publique où là, on essaie de vous protéger contre vous-même, on essaie de protéger votre incarnation future contre votre incarnation présente. Évidemment, toutes ces considérations, l'information, les externalités, les internalités peuvent se télescoper. Vous prenez par exemple l'exemple du dopage sportif. Le dopage sportif, ça fait intervenir une internalité, le fait que certaines personnes sont prêtes à se droguer et à nuire à leur santé, donc à sacrifier leur long terme pour leur vie à long terme, pour une gloire ou un peu plus d'argent de façon éphémère. Mais il y a aussi une externalité, et l'externalité, c'est évidemment que quand un sportif se drogue, évidemment, il déconsidère toute la profession, il dégrade l'image de son sport, il affecte négativement tous ses confrères. Donc, le dopage, par exemple, c'est un exemple d'internalité et d'externalité. Mais il n'y a absolument aucune considération morale. C'est simplement une défaillance de marché basée sur de l'économie tout à fait classique. Maintenant qu'on a écarté ces malentendus, je voudrais parler un petit peu des exemples classiques, des exemples moins classiques, et essayer de se poser la question, une question beaucoup plus difficile, sur est-ce que tout peut-il être marchandisé? L'adoption d'enfants, mais ça on en a déjà parlé, la prostitution, l'utilisation des mères porteuses, la drogue, le droit de vote, la transplantation d'organes, etc., etc. Alors, je ne vais pas apporter de réponse. En tant que scientifique, tout ce que je peux faire, c'est apporter quelques éléments de réflexion, parce que là, il y a une dimension morale très très forte. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on se cantonne dans des postures morales, dans des alignations. Il faut réfléchir et puis après, essayer de comprendre pourquoi ces marchés ne sont pas forcément désirables. Pourquoi faut-il réfléchir? D'abord, parce que ces marchés existent. Il ne faut pas se voiler la face. Ces marchés, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ils existent. Et la question réelle, c'est comment on les régule, comment on les interdit. Le marché de la drogue, le marché de la prostitution, la GPA, tous ces marchés existent déjà, de toute façon. Et donc, il faut savoir y réfléchir. Et y réfléchir, ça nous dérange, évidemment. Ça nous dérange pour des bonnes raisons. Parfois parce qu'il nous révèle des aspects de notre société qu'on aimerait oublier. Par exemple, c'est clair que souvent, les prostituées, les mères porteuses, les donneurs d'organes sont des gens pauvres, indigents. Donc c'est un aspect de la société qu'on voudrait oublier, bien sûr. Nous n'en sommes pas très très fiers. On voudrait oublier la violence de la société, on voudrait oublier un certain nombre de choses. Et souvent, d'ailleurs, les politiques ne sont pas forcément les bonnes suivies, parce que pour oublier, ben, on déplace le problème ailleurs. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs avec la prostitution, on essaie de déplacer le problème ailleurs pour simplement ne pas le voir. En France, comme vous le savez, la peine de mort a été abolie par François Mitterrand en 1980,
Mais est-ce que vous savez quand était la dernière exécution publique? C'était en 1939. Parce qu'entre 1939 et en 1981, il n'y a plus d'exécution publique. Est-ce que vous savez pourquoi? Ben, parce que la dernière exécution publique était effectivement publique et il y avait beaucoup de gens qui sont venus fêter avec leurs enfants, fêter cet événement et se réjouir de la violence de l'exécution. Évidemment, c'est une image de la société que l'on n'aime pas, qu'on soit pour ou contre la peine de mort. Je crois que personne n'aime voir une société avec des goûts violents. Et donc, il y a eu des films, il y a eu des photos qu'on a supprimées et on a interdit, et toutes les exécutions qui ont suivi ont été des exécutions privées, en fait. On n'a plus voulu avoir le public qui se réjouissait de cette mort d'autres personnes, et ça jusqu'en 1980. Ensuite, il faut réfléchir aussi à tous ces problèmes parce que quand elle porte haut la flamme de l'indignation, la morale peut être utilisée, comme je le disais, pour imposer ses propres jugements de valeur. Et ces jugements de valeur, c'est évidemment ma morale contre la vôtre et ce n'est pas une bonne chose. Alors, après, pour aller plus loin, évidemment, c'est la question là beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est avoir quelques éléments d'analyse. Essayer de comprendre, par exemple, pourquoi les dons d'organes. Pardon, pas les dons d'organes, les ventes d'organes nous choquent. Vous voyez par exemple effectivement qu'il y a des gens qui vendent leurs organes, leurs reins, qui les vendent. Alors, il y a quand même un problème économique derrière. Et d'ailleurs, c'est vrai que tous les ans, par exemple rien qu'aux États-Unis, il y a des milliers de gens qui, en Europe aussi, qui meurent parce qu'ils sont sur une liste d'attente, parce qu'il n'y a pas assez de dons d'organes. Mais ça pose aussi des problèmes éthiques profonds, finalement, d'acheter des organes. Évidemment, on augmenterait l'offre d'organes, mais parce qu'actuellement, les dons, c'est essentiellement des dons, effectivement, à des gens extrêmement proches. Il y a très peu de gens qui donnent leur rein à des gens qui ne le connaissent pas. Et parfois, d'ailleurs, dans certains pays, c'est interdit. Alors, pourquoi nos réticences? Ben là, il faut réfléchir. Est-ce que ce sont des problèmes d'information? C'est-à-dire qu'effectivement, on veut que les gens soient bien informés. C'est déjà le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Avec les donneurs d'organes, il faut qu'ils soient bien informés sur les dangers qu'ils encourent en termes de santé. Est-ce un problème d'internalité? C'est-à-dire que des gens peuvent avoir une préférence excessive pour le présent et pour quelques centaines ou milliers d'euros, finalement, vont compromettre leur santé à l'avenir. Est-ce que ça révèle des inégalités? Parce que, évidemment, dès qu'il y a des ventes d'organes, ça existe en Iran, hein, dès qu'il y a des ventes d'organes, puis évidemment, il y a tout le commerce illégal. Dès qu'il y a des ventes d'organes, c'est évidemment les plus pauvres qui vendent leurs organes. Et évidemment, ça nous dit quelque chose sur notre société. Est-ce que c'est la violence? Parce qu'on a peur qu'il y a des mafias qui forcent certaines personnes à vendre leur rein ou d'autres choses. C'est un problème complexe et ça ne veut pas dire du tout que le marché doit exister. Mais on peut trouver des alternatives. Par exemple, le prix Nobel d'économie 2012, Al Ross, a créé un marché sans argent, d'une certaine manière, a fait confronter l'offre et la demande de reins, par exemple, pour augmenter finalement le nombre de dons. C'est vraiment très important. Il y a quand même un problème sous-jacent qui existe là. S'il y a un marché, c'est qu'il y a quand même un problème sous-jacent. Au moins, le marché révèle quelque chose. Évidemment, ce qui ça révèle, c'est la pénurie de dons d'organes et tous ces gens qui meurent à cause de ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est dire, ben, nous avons des problèmes éthiques avec les dons d'organes, pardon, les ventes d'organes, et nous allons quand même essayer de faire mieux qu'actuellement. Alors évidemment, il y a d'autres méthodes, mais ce qu'il a fait, c'est créer des mécanismes très complexes de dons croisés. Alors souvent, il y a des dons qui ne se passent pas parce que les gens sont incompatibles, simplement, tout simplement. Donc on essaie de trouver des paires multiples. Et vous n'allez pas donner à votre conjoint ou à votre frère ou sœur, mais vous allez donner à quelqu'un d'autre. Et inversement, avec la compatibilité, vous allez pouvoir avoir quatre personnes ou huit personnes ou plus d'autres, un nombre plus grand de personnes qui sont sur la table d'opération de façon simultanée. Et ça permet effectivement de rendre les choses plus efficaces. Ça crée un marché, mais ça crée un marché sans les problèmes éthiques que poserait effectivement la transaction financière qui irait avec. Donc là, on voit très bien comment on peut œuvrer dans le bien commun sans finalement heurter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre à chaque fois, et vous prenez tous les problèmes, parce que si on veut trouver des solutions,
il faut se réfléchir pourquoi nous sommes contre. Et je crois que c'est vraiment un message auquel je tiens beaucoup. Je ne sais pas, je suis très bavard, je peux parler encore un certain temps. J'aurais peut-être dire deux, trois mots sur ce que les économistes font au point de vue moralité. Alors, vous êtes peut-être, certains d'entre vous seront peut-être étonnés de savoir que les économistes travaillent sur la moralité. Ben non, j'ai organisé une conférence il y a un mois à Bonn, donc en Allemagne, sur la moralité. Je vais à une conférence à Carnegie Mellon au mois de juin sur la moralité. Nous travaillons tous beaucoup sur la moralité. Alors, avec un prisme spécifique, qui va vous paraître peut-être naïf aussi, mais on essaie de comprendre mieux les comportements moraux, on essaie de comprendre mieux d'un point de vue théorique, et on fait aussi beaucoup d'expériences sur la moralité, et qui sont absolument passionnantes. Je ne vais pas avoir le temps de les décrire, mais elles sont absolument passionnantes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine notre moralité. Parfois, nous sommes très moraux, parfois, nous sommes très immoraux, la même personne, et savoir comment des petites variations de contexte peuvent vous transformer de quelqu'un de moral en quelqu'un de très immoral. À niveau individuel, et ça, il y a beaucoup d'évidence empirique là-dessus, nos comportements moraux sont influencés par trois facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment une motivation intrinsèque. Il y a quand même un petit peu de générosité en nous. Alors, de façon très hétérogène selon les personnes, mais c'est vrai que tous, nous aimerions œuvrer pour le bien commun. Mais évidemment, cette générosité est quand même limitée. Nous avons aussi parfois des motivations extrinsèques, une incitation financière, par exemple, à contribuer. Bon, c'est, par exemple, quand on ne pollue pas simplement parce qu'on fait face à une taxe carbone, c'est une motivation extrinsèque. Ou simplement, ça peut être, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi se faire des amis, se faire un cercle social, c'est une motivation extrinsèque. On se comporte de façon morale parce qu'on veut avoir des amis, etc. Et ça m'amène au troisième volet, qui est l'image de soi-même. L'image qu'on projette vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Adam Smith parlait il y a très très longtemps, évidemment les philosophes en parlaient même avant, du spectateur interne à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se juge nous-mêmes, on a une vision de nous-mêmes, et c'est très important de pouvoir se regarder dans la glace aussi. Et donc, nous avons ces trois incitations, la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, et puis l'image qu'on essaie de se projeter aux autres et de projeter à soi-même, parce qu'on veut être, généreux, on veut se sentir généreux, faire croire qu'on est généreux, comme on veut faire croire qu'on est intelligent, etc. etc. Ça permet de... Et on travaille beaucoup, parce que nous construisons des théories là-dessus. Je travaille beaucoup avec un chercheur de Princeton qui s'appelle Roland Benabou. Mais à partir de ces théories, on fait des tests empiriques. Et donc, ces théories ont été utilisées pour comprendre l'évasion fiscale sous Thatcher en Angleterre, les choix d'ethnie des enfants en Chine. Par exemple, si vous êtes des parents mixtes de la majorité Han ou d'une minorité, est-ce que vous déclarez vos enfants en tant que Han ou en tant que minorité? C'est une décision qui est en partie économique, parce qu'il y a des incitations extrinsèques à le faire, mais aussi des normes sociales qui entrent. Et donc il y a des tests empiriques qui ont été faits à partir des modèles économiques là-dessus. Les comportements de désertion pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Qu'est-ce qui a déterminé les comportements de désertion par les soldats britanniques et les soldats irlandais, par exemple? Il y a des travaux empiriques là-dessus par des économistes. Donc ça permet aussi de comprendre parfois pourquoi les incitations extrinsèques peuvent être contre-productives aussi. C'est-à-dire que parfois, en économie traditionnelle, quand vous augmentez le prix, vous augmentez l'offre. Il y a plus de gens qui sont prêts à contribuer à partir du moment où vous augmentez le prix. Mais parfois, ce n'est pas vrai. Il y a des contre-exemples dans des circonstances extrêmement précises. Vous pouvez augmenter le prix et vous pouvez diminuer l'offre. Et de nouveau, les économistes font des travaux là-dessus. Et des psychologues aussi en font des travaux, utilisent ces théories pour faire des expériences, pour montrer ce qui se passe. Quelque chose qui est très important en économie actuellement, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui détermine nos comportements moraux? Parce que c'est une question extrêmement complexe. Et quelque chose sur lequel ils font beaucoup, beaucoup d'expériences, sur le terrain et aussi beaucoup en laboratoire, c'est de comprendre comment des petites variations peuvent changer finalement ces comportements, en particulier les petites excuses, mais des excuses qui sont parfois extrêmement faibles. Par exemple, vous connaissez tous
cette excuse, la responsabilité de le partager. C'est pas seulement moi. Si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. C'est pas grave, de toute façon, il ne le méritait pas. Et ça joue dans beaucoup de domaines. Ça joue dans le domaine économique, ça joue dans le domaine militaire. Un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui avec les drones, c'est qu'on n'a plus l'impression de tuer. Ça devient un jeu vidéo. Et ça met une distance, finalement, entre les choses. Ça donne des marges de manœuvre, l'obéissance. Évidemment, on le sait très bien depuis les expériences de Milgram, mais on savait déjà ça avec, évidemment, tous les régimes totalitaires. L'obéissance, finalement, aussi, vous fait sortir tout concept moral. Ou pour prendre un exemple d'actualité, je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans les élections françaises, surtout à deux jours des élections, mais le nini qui se passe actuellement chez certains dans la gauche et la droite dure, ou même malheureusement la hiérarchie catholique, se base effectivement sur une excuse qui est extrêmement faible, qui est en disant « si je ne vote pas pour cette candidate, évidemment, je ne vote pas pour elle ». Et formellement, c'est juste. C'est une excuse qui, formellement, il y a toujours un grain de vérité d'ailleurs. C'est juste. Mais évidemment, si on s'abstient, évidemment, on vote de façon privilégiée pour la personne. Donc, ce sont ce qu'on appelle des narratifs négatifs. Il y a aussi des narratifs positifs, évidemment. Et heureusement pour notre société, il y a beaucoup de narratifs positifs qui nous sont fournis par nos parents, par les religions, les morales, par l'école, par les contes de fées, par les modèles, les role models, les modèles de comportement, par les films. Enfin, fondamentalement, d'ailleurs, je pense, un des sujets d'études les plus intéressants, c'est de comprendre comment un livre ou un film est constitué. Comment on conçoit la fin, par exemple, d'un film. C'est tout à fait... Hollywood, évidemment, était passé maître... depuis très longtemps en la matière. Et c'est très important parce qu'il y a un message sur la moralité qui sort à la fin très souvent. Donc nous étudions évidemment les narratifs, nous regardons comment ils entrent en concurrence avec les impératifs kantiens, etc. et l'approche déontologique. Alors, juste pour terminer, parce que je pourrais parler pendant des heures là-dessus, mais je vais peut-être parler encore 5 minutes là-dessus parce que c'est vraiment très important pour que vous compreniez bien la démarche des économistes. L'approche des économistes surprend beaucoup les gens souvent parce que c'est très conséquentialiste. En fait, nous n'attachons pas tellement d'importance aux actes, nous attachons beaucoup plus d'importance à leurs conséquences. C'est-à-dire que nous regardons, pour un acte donné, quelles sont les conséquences possibles. Et donc, en particulier des externalités, par exemple, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce qu'on va faire du mal à d'autres personnes? Est-ce qu'on va polluer? Est-ce qu'on va... nuire à quelqu'un. Nous ne sommes pas seuls d'ailleurs, il n'y a pas que les économistes qui pensent comme ça. Si vous avez lu Peter Singer, par exemple, qui est un philosophe américain, il est encore presque plus conséquentialiste que les économistes. Il va vous provoquer, par exemple. Si vous demandez à quelqu'un très opposé à la finance, dire, voilà, vous avez un doctorat ou une maîtrise, est-ce que vous devez travailler dans une banque d'investissement ou est-ce que vous allez travailler pour une ONG? Quel est le comportement moral? Peter Singer a dit, il n'y a pas d'hésitation. Il faut aller travailler dans la banque d'investissement et après vous donner 80% de votre revenu à des ONG. Mais il a raison d'une certaine manière. Alors tant que vous allez dans une banque d'investissement qui évidemment... se comporte de façon éthique. Vous allez chez les brigands, non, bien sûr, mais si vous allez dans une banque d'investissement qui se comporte de façon éthique, vous allez dans une banque d'investissement et après vous donnez 80% de votre revenu à une noble cause. Alors que si vous allez dans une ONG à distribuer la soupe populaire, vous êtes remplaçable. Et en fait, vous avez un impact beaucoup plus grand en allant dans la banque d'investissement. Ça, c'est un raisonnement. Je dirais, même les économistes ne vont pas toujours jusqu'à là, mais très conséquentialiste, très, très économique d'une certaine manière. Alors, l'approche déontologique, les économistes, pour être honnête, s'en méfient un peu des règles absolues. Kant exagérait, il faisait de la provocation, il faut bien dire. Quand Kant vous disait par exemple,
S'il y a quelqu'un, un criminel qui arrive à votre porte et demande si votre ami se cache dans le grenier, alors on a la version moderne évidemment avec les nazis et les juifs, il dit ben non, vous ne devez pas mentir parce qu'il y a un impératif déontologique qui est de ne pas mentir, mentir est mal. Évidemment, nous savons tous, et en tant qu'économiste, moi, je dirais mais pas du tout, moi, mentir, on s'en fiche. Ce qui est important, ce sont les conséquences. Et le comportement moral, pour moi, c'est évidemment de mentir à cette personne pour économiser une vie. Et je pense que vous auriez la même réaction. Ce n'est pas l'acte qui compte, ce sont les conséquences de l'acte qui comptent. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un comportement moral, une action morale? Si on n'a pas la référence de la conséquence, c'est très difficile de déterminer qu'est-ce qui est un acte moral ou pas. Et donc les économistes poussent très fort dans cette vue, peut-être de façon trop forte, hein, vous serez peut-être en désaccord avec moi, mais ont une vision très conséquentialiste des choses, mais du coup qui regroupe qu'une partie de la morale. Et ça, j'aurais terminé là-dessus, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, par exemple sur le marché, le bien social, le lien social, etc. Mais la vision de la moralité par les économistes, c'est une vision assez restreinte. En gros, ne pas nuire à autrui, faire attention aux conséquences de ses actes. Mais évidemment, la morale, c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais si vous lisez des philosophes comme Jonathan Haidt, qui lui est un philosophe contemporain, il vous dira qu'à un certain nombre d'autres choses qui ne sont pas forcément expliquées par des aspects conséquentialistes font partie de la morale. Alors, il prend des exemples assez rigolos, parfois totalement absurdes. Imaginez que votre vieux chien que vous aimez tant se fasse renverser par une automobile sur la route devant chez vous et vous prenez le chien, vous le cuisez, vous le mangez. D'accord ? C'est votre chien préféré, vous l'aimez très fort. Il est mort, vous le cuisez, vous le mangez. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Le chien est mort, il n'y a plus rien que vous puissiez y faire. Il n'y a pas d'externalité dans le jargon économique. Et un certain nombre d'entre vous trouveront ça totalement répugnant. Mais il faut réfléchir. Donc, de façon plus générale, la moralité chez les non-économistes comprend beaucoup d'autres choses que ce mal qu'on peut faire à d'autres personnes, que les conséquences, que les externalités, ce genre de choses. Ça comprend les codes de conduite, l'étiquette, le respect de l'autorité, de la tradition, la loyauté vis-à-vis du groupe. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont souvent conçues comme faisant partie de la morale, mais qui ne sont pas représentées, sauf sous des théories positives, hein, comme la théorie du signalement, mais ne sont pas représentées dans l'analyse économique. Voilà, j'ai déjà parlé vraiment beaucoup trop longtemps, je suis vraiment désolé parce que je voudrais échanger un petit peu avec vous et je vous prie de m'excuser d'avoir parlé autant, mais en tout cas, j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup professeur pour cette présentation, même si vous m'avez fait un peu peur avec cette histoire de chien mort à la fin, ça a été une présentation très... Ce n'est pas mon exemple, c'est Jonathan Haidt. Alors profitant d'une défaillance de marché claire, puisque j'ai le micro, je vais poser une première question de manière dictatoriale, et puisque vous ne voulez pas évoquer... Nous sommes contre les monopoles, bien sûr. Puisque vous ne vouliez pas évoquer les élections, malgré tout, ma question sera... post-élection, et si vous pouviez parler au président de la République, vous voyez que je ne dis pas puisque vous parlez, mais si vous pouviez parler au président de la République, que lui conseilleriez-vous de faire, de prendre comme première mesure importante de politique publique économique? Autrement dit, quelle serait pour vous, puisqu'une nouvelle page s'ouvrira nécessairement, quelle serait pour vous la première mesure économique à prendre pour un président de la République? Je dois rester à ma place et rester humble quand même. Je ne vais pas avoir la prétention de conseiller au président de la République futur quoi faire. Mais je peux dire qu'est-ce que j'aurai à l'esprit moi-même quand même. C'est le premier sujet, évidemment, dans des pays comme les nôtres, c'est le chômage qui mine la société avec cette société complètement duale et un gâchis économique monstrueux et puis un gâchis pour les finances publiques, évidemment. Et donc, il y a des solutions au chômage et il faut quand même faire en sorte que les jeunes, les personnes plus âgées, etc., puissent avoir un emploi.
et que nous ayons une structure productive plus efficace et qui ne coûte pas autant à l'État. Donc là, il y a des solutions, j'en discute dans mon livre évidemment, et je voudrais bien que nous sortions de la situation dans laquelle nous sommes, parce que c'est très très dangereux, socialement. Ça fait quand même 40 ans qu'il y a du chômage. C'était bien pendant les 30 glorieuses, il n'y a pas de problème. Nous étions en croissance, il y avait une politique qui était très simple à faire. Il suffisait d'investir, de reconstruire le pays, de rattraper les États-Unis dans certaines dimensions. Et c'était très très simple. Maintenant, on est dans une société beaucoup plus complexe où les institutions qu'on a mises en place ces 40 dernières années sont de plus en plus dysfonctionnelles. Et qui coûte de plus en plus cher à l'État français, parce que je peux dire la même chose pour l'espagnol. Il ne faut pas oublier que l'État, la dette publique était très très loin de 100% à l'époque, était sans doute de 30% ou quelque chose comme ça. Donc nos marges de manœuvre diminuent. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je pense que nos sociétés sont très attachées à un système social. Il faut réformer ce système social, non pas pour le perdre, ça serait grave, mais pour le rendre plus efficace. Alors, on le voit déjà avec l'éducation en France, et là, encore une fois, je parle de la France, où on a un système qui est très inégalitaire et qui emberne. C'est-à-dire que très inégalitaire, dans la mesure où les 20% d'en haut sont très bons, sont très bien formés, aux frais de la République, et puis après, les autres, ils ont une éducation moins bonne. Et énormément d'inégalités, comme le montrent tous les classements internationaux. Et ça, c'est grave, parce que ça crée une inégalité très forte. Et puis, ça ne nous prépare pas, évidemment, à ce qui va arriver avec le numérique, avec les mutations permanentes d'emploi. Et évidemment, on est dans le siècle de la connaissance, il faut oublier. Donc, si on ne se prépare pas avec l'éducation, y compris la formation continue, c'est très grave pour notre société également. Ensuite, parce qu'il faut pouvoir se le permettre. Dans les 30 glorieuses, la part de l'État, c'était 37%. Des dépenses publiques, du PNB, pardon. Les dépenses de l'État, je ne parle pas des recettes de l'État, je parle des dépenses de l'État. Maintenant, c'est 57%. Nous sommes le pays qui dépense le plus au monde. Alors, certaines de ces dépenses sont bien sûr justifiées. Il ne s'agit pas de supprimer notre système social. Mais clairement, on pourrait assurer le système social à un coût plus faible. Et puis, il faut l'endiguer, parce que si on continue à monter comme ça, quand je vois certains programmes électoraux qui le montraient sans doute à 60% ou plus, c'est très grave. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va être dans une crise financière, avec à ce moment-là des coups de rabot partout, finalement une déconstruction du système social, des promesses en des retraites, etc. On va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Il faut savoir faire comme l'Allemagne, les pays scandinaves, le Canada et d'autres pays encore ont su faire. C'est-à-dire de garder un système social, mais moins cher, plus efficace. Donc ça, c'est un gros chantier. Est-ce que je peux parler de l'Europe? Évidemment, l'Europe, je pense, c'est un enjeu crucial. Et là, évidemment, le prochain président de la République ne pourra le faire. C'est comme le réchauffement climatique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. On peut expliquer. On peut essayer de garder ensemble les Européens contre tous ces courants anti-européens qu'on voit. On l'a vu au premier tour, encore une fois, le vote anti-européen en France était très très fort, on le voit en Italie, on l'a vu avec le Brexit, on le voit partout. Donc ce vote anti-européen, finalement, c'est un oubli complet du passé, mais c'est aussi une non-considération du futur, de notre avenir commun, de ce que devrait être l'Europe. Pourquoi on a besoin d'Europe? Donc il va falloir relancer toute cette dialectique pour essayer. Et là, il faudra des narratifs aussi pour essayer d'expliquer de façon simple au peuple, finalement, pourquoi on a besoin d'Europe et de quelle Europe. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions sur l'Europe. J'essaie d'expliquer un petit peu dans le livre aussi pourquoi nos conceptions sur l'Europe ne sont pas forcément les bonnes, sur la façon dont on va le faire. Moi, je suis très européen personnellement, donc j'espère qu'on va sortir de cette situation un peu inquiétante actuelle. Alors, il y a beaucoup d'autres chantiers, mais je pense que ces trois-là sont quand même urgents. Merci beaucoup. On peut ouvrir la salle à les questions. Merci. Moi, je voulais vite rebondir sur la question de M. Cassianides. Parce que il me semble
qu'il vous manquait un élément dans votre réponse. Et surtout, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit sur le rapport des économistes à l'éthique. Et il me semble que là, on a quand même un élément du problème, et en particulier du problème dans la recherche de solutions au principal problème que vous avez évoqué, c'est-à-dire le chômage de masse, et dans la difficulté que notre société a à réformer son système pour à la fois, effectivement, atteindre, puisque c'est ce que vous avez dit, c'est l'approche conséquentialiste des économistes qui cherchent d'abord avant tout l'efficacité à court ou moyen terme, enfin plutôt à moyen ou long terme, et puis l'éthique. Et de ce point de vue-là, vous n'avez pas parlé de la réforme du marché du travail. Or, il me semble que s'il y a bien un chantier qui pose un certain problème éthique, c'est bien celui-ci. On l'a bien vu avec la loi El Khomri, on le voit aujourd'hui, puisque s'il y a, à la question de M. Cassianides, s'il y a bien une réforme que M. Macron veut mener immédiatement après son élection et carrément à coup d'ordonnance, c'est celle du marché du travail. Si ça crée autant de résistance, c'est bien parce que pour beaucoup de Français, il y a là derrière cette question un problème éthique. Lorsque l'on simplifie le marché du travail, eh bien on a le sentiment qu'il y a d'abord là une certaine immoralité dans la possibilité qui est donnée aux acteurs économiques de faire des choses qui peuvent avoir des conséquences négatives pour les travailleurs en particulier. Or, la justification, c'est bien sûr celle d'une efficacité pour la majorité, et en particulier pour ceux qui sont exclus et qui sont les chômeurs. Donc voilà, moi ce que je voulais, c'était avoir votre opinion, bien sûr, sur ces questions, comme l'Europe en particulier, qui est très importante, mais tout particulièrement sur celui du marché du travail et de sa nécessaire réforme. Je crois que vous avez une très bonne question, je crois que vous avez un peu anticipé ma réponse aussi. Je pense que c'est peut-être un petit peu dangereux de parler d'éthique, et je comprends bien ce que vous voulez dire derrière, c'est parce que je pense que le système actuel est incroyablement inégalitaire. C'est-à-dire qu'on a une société complètement duale, où certaines personnes sont exclues du marché du travail ou de bonnes formes du travail. C'est-à-dire qu'actuellement, pratiquement toutes les créations d'emplois, 90% en France et en Espagne, c'est la même chose, sont sur la base de contrats de court terme, qui sont des très très mauvais emplois, où les gens passent par la case chômage, sont réemployés en court terme, n'ont pas de formation, parce qu'une entreprise qui engage quelqu'un pour 2 mois, pour 8 mois, ne forme pas les personnes parce qu'ils savent très bien qu'ils vont après s'en séparer. Donc on a finalement une situation où on a ce qu'en France ça s'appelle des CDI, mais enfin des emplois permanents entre guillemets, et puis finalement les autres qui sont complètement oubliés, qu'on ne voit pas. Alors je pense que c'est très très important sur, je dirais, il y a la justice sociale, et ça je pense que c'est important. Il y a la distribution des revenus, il y a la dignité dans le travail. Et ça, c'est une autre inégalité. Je pense que la dignité dans le travail, il y a beaucoup de gens dans nos sociétés qui l'ont perdue parce qu'ils n'ont pas de travail. Entre le fait qu'ils ont parfois des emplois de très courte durée, qui sont des très très mauvais emplois, moi je suis vraiment contre les CDD. Mais pourquoi on a des CDD? Tout simplement parce que les gouvernements, voyant que les entreprises ne créent plus d'emplois en CDI, pour pouvoir être élus la prochaine fois, ils sont obligés de laisser faire les CDD. Et c'est ça le problème. Donc il faut complètement réformer. Un emploi à vie, ça n'existe pas. Dans les autres sociétés, ailleurs qu'en Europe du Sud, ça n'existe pas. Et ce n'est pas la conception des autres sociétés. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient un emploi. C'est ça qui est fondamental. Et moi, mon point de vue, c'est qu'il faut protéger les salariés, pas protéger l'emploi. Et ça va devenir de plus en plus grave pour 2 raisons. Parce que là, on pense qu'en Espagne ou en France, ça va très mal. Mais attendez de voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que d'abord, le numérique, les emplois vont changer encore beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'une entreprise ne voudrait plus jamais engager quelqu'un en CDI actuel, parce que dans 3 ans, l'emploi a changé avec le numérique. Ça sera très très difficile. Et à ce moment-là, si on ne peut pas licencier, ça ne va pas être possible. Donc ce qu'il faut, c'est un système où finalement on protège le salarié, on a une bonne formation continue, une formation professionnelle, un service finalement de gestion du chômage qui soit efficace, parce qu'actuellement il y a 31 milliards qui partent en France à la formation continue qui sont pas mal gâchés. C'est une autre injustice
qui d'ailleurs va essentiellement à ceux qui ont des emplois, souvent des emplois permanents aussi, et qui dans des formations qui ne servent à rien. Donc la gestion paritaire fait des dégâts en France, hein, ce sujet. Donc moi ce que je constate, c'est bien sûr l'équité, c'est très important, l'éthique, c'est très important, mais elle n'est pas respectée actuellement. On a une société qui est incroyablement injuste, duale, et ça va empirer. Ça va empirer. Donc moi je suis tout à fait favorable, effectivement, pour des raisons d'efficacité. Ah oui, j'ai oublié de dire, il n'y a pas que le numérique, il y a aussi la façon dont on a amorti les chocs actuellement, c'est avec le budget de l'État. Mais quand vous avez un budget d'État qui est, tant qu'on était avec des budgets de l'État qui étaient raisonnables, une dette raisonnable, c'était faisable et c'était bien de le faire. Mais maintenant, ça va devenir de plus en plus dur de le faire, d'amortir les chocs de cette manière. Et donc, on est une situation très, très délicate. Et je pense qu'il est déjà très, très inégalitaire. L'inégalité existe déjà. Alors, vous allez me dire, je pense que c'est un petit peu le fond de votre critique, avoir le droit de licencier, c'est finalement traiter les gens comme des marchandises, quoi, comme des biens qu'on sépare, effectivement. Mais je crois que, d'abord, je ne pense pas que la plupart des chefs d'entreprise licencient des personnes par plaisir. Alors, peut-être que je vais me faire leur avocat ici, mais je vois assez peu ça. Par contre, ils ont des très mauvaises incitations. Donc, effectivement, on voit les chefs d'entreprise qui, au lieu d'engager quelqu'un de façon permanente, engage des gens pendant un mois. En France, maintenant, c'est ça, c'est la permittence. On engage quelqu'un pendant un mois, on met au chômage, on re-engage 50% du temps, on engage la même personne pendant un mois, etc., etc. C'est très mauvais pour les salariés, c'est très mauvais pour la société parce que ça coûte très cher l'assurance chômage, c'est très mauvais pour tout le monde. Mais pourquoi les entreprises font ça? Parce qu'elles redoutent des emplois permanents. Elles ne veulent plus créer d'emplois permanents parce que c'est que s'il y a un problème, elles ne pourront pas licencier le salarié. Donc je pense que la solution, personnellement, et on peut être en désaccord là-dessus, moi je pense personnellement que la solution, c'est vraiment d'avoir plus de flexibilité, plus de responsabilisation des entreprises. Avec Olivier Blanchard, ça fait 20 ans qu'on recommande ce qu'on appelle un bonus-malus, c'est-à-dire de dire, ben, si vous licenciez, il faut que vous payiez les conséquences pour la société. Il faut vous payer, évidemment, des indemnités de licenciement, mais ça existe déjà, et vous payez l'assurance sociale, la sécurité sociale, parce que vous allez mettre quelqu'un au chômage qui va coûter cher à la société. D'accord ? Et donc, il faut responsabiliser les entreprises, ce qu'on ne fait pas du tout actuellement. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que de faire payer à ceux qui gardent les salariés l'assurance chômage. Donc, c'est ceux qui gardent les salariés qui payent pour ceux qui licencient les salariés. C'est quand même, on a la tête en bas, là, le monde à l'envers, là, quand même. C'est un système qui n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut des réformes profondes. Maintenant, est-ce que c'est contre l'inégalité, contre l'éthique? Je ne pense pas. Prenez un salarié danois. Vous prenez un salarié danois, le droit danois est beaucoup plus flexible que ce que je propose. Beaucoup plus flexible parce qu'il n'y a même pas ce bonus-malus que je voudrais avoir, au moins pour responsabiliser les entreprises. Vous regardez les salariés danois, aucune inquiétude sur leur avenir. Ils savent que s'ils perdent leur travail, ils vont en avoir un autre. Il y a 5% de chômage, ils ont un système qui marche bien, ils sont très bien assurés contre le chômage en plus, ils sont suivis et il n'y a pas d'inquiétude. Ils sont moins inquiets, moins stressés au travail qu'un CDI français. Et c'est ça le paradoxe aussi, je dirais, c'est qu'on parle tout le temps des CDD, etc., qui sont dans une situation très, très complexe, très difficile, il y a un véritable drame humain. Mais regardez les CDI. Les enquêtes d'opinion montrent que les CDI français sont parmi les salariés les moins heureux au monde. Alors, il faut se méfier un peu de ces enquêtes d'opinion, mais c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que les gens qui ont un emploi protégé ne sont pas heureux au travail. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas heureux au travail? Premièrement, ils sont quand même inquiets, parce que même si vous êtes CDI, vous pouvez perdre votre emploi. Et le jour où vous perdez votre emploi, vous vivez un vrai drame, parce que vous savez que vous aurez du mal à retrouver un CDI équivalent. Donc là, effectivement, les gens sont stressés. Ils savent aussi que leurs enfants ne vont pas trouver un CDI équivalent. Autre chose, il y a le malaise au travail. C'est quand même extraordinaire que la France se caractérise des classements, je ne sais plus quel est le rang de la France, mais 120e mondial, quelque chose comme ça, au point de vue bien-être au travail. Il y a un malaise profond. Pourquoi? Parce que quand vous avez un CDI, vous avez l'impression d'avoir le Graal. C'est un Graal très relatif. Hein. Vous avez l'impression d'avoir le Graal, vous vous accrochez à ce CDI parce que vous n'allez pas en trouver un autre. Et si vous êtes
en relation très tendue avec vos collègues, avec votre patron. Si vous avez envie de faire autre chose, vous avez fait ça pendant 10 ans, vous voudriez bien faire autre chose, ben vous continuez à le faire. Et là, on sent tout de suite le malaise que ça peut créer dans une société, le malaise au travail parce qu'il n'y a pas assez de mobilité. Et, alors c'est vrai, mais je pense que l'éthique, elle est assurée en protégeant le salarié, pas en protégeant l'emploi. Bonjour. Une autre question, c'est ici. Bonjour, monsieur Tirole, c'était très intéressant. Bon, comme j'ai compris, vous avez dit que l'État et les marchés doivent aller ensemble, ça veut dire que l'État doit corriger les défaillances du marché et le marché les défaillances de l'État. Alors, je propose un cas particulier, et c'est par exemple la faillite des banques. Quand les banques sont en faillite, l'État doit sauver la banque, comme c'est passé en Espagne. Ça veut dire que les banques sont sauvées et les salariés ont eu l'impression que c'était l'argent public, bien sûr. Et les salariés, nous avons eu un 10% de moins des bases de salaire. Ça veut dire que les salaires en Espagne sont très bas maintenant. Et, alors, on a l'impression que notre argent public à sauver la banque. Les conséquences sont positives, alors du point de vue éthique, ça veut dire à long terme, si la banque est sauvée, il y a de bonnes conséquences pour la macroéconomie. Alors, l'éthique, la morale, quel est le rôle dans ces cas-là, hein, l'Espagne a suivi, et encore, nous sommes en train de payer ces dettes, comme salariés, comme contribuables, comme gens qui nous faisons nos impôts pour ça, pour cela. Merci. Merci pour votre question. Et c'est vrai que le peuple espagnol a beaucoup souffert et n'aurait pas dû souffrir d'une certaine manière. Là, je vais être très clair là-dessus. C'est dans beaucoup de crises financières, il y a un rôle fondamental de l'État. L'État qui n'a pas su réguler ou qui est allé contre une régulation efficace. Une crise financière des banques qui est créée par une bulle immobilière. La crise espagnole n'est pas la première, vous savez. Même déjà dans la crise récente, il y avait les États-Unis, il y avait l'Irlande, il y avait d'autres pays. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que vous avez des gouvernements qui veulent encourager l'accession à la propriété, qui veulent encourager la bonne santé du BTP, et qui laisse faire des prêts immobiliers, les conséquences après, évidemment, à la fois pour les personnes qui seront évincées de leur maison, mais aussi pour le contribuable et l'argent public, parce que là, il y a eu des conséquences en Espagne absolument dramatiques. Ils laissent tomber, ils regardent le court terme, et de nouveau, ils ignorent le long terme. Et là, en Espagne, il y avait des alertes qui avaient été lancées justement par des économistes espagnols et la Banque d'Espagne en disant « Mais attention, dès 2005, il y a un problème là, vos banques vont aller dans le mur. » Et malheureusement, les politiques n'ont pas suivi, alors au niveau régional, au niveau national, de même que George Bush a été en plein dedans également, etc. etc. C'est toujours la même histoire. Et vous regardez au cours des siècles le nombre de crises financières et souveraines qui ont pour base une bulle immobilière. Il y en a de nombreux, donc c'est rien de nouveau. Alors, les économistes ne sont pas parfaits. Leurs connaissances sont limitées. Certains ont des conflits d'intérêts, etc. Je ne veux pas exonérer les économistes là-dedans, mais il me semble que le coupable numéro un, c'est l'État. L'État qui est complètement défaillant dans son rôle de régulateur et qui laisse faire des choses et puis après laisse l'ardoise à ses citoyens. Et ça, je suis très, 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 très remonté contre ça. Je pense que là, vraiment, il y a une responsabilité de l'État face à ça, qui n'a pas joué son rôle de régulateur. Hola. Voy a hacer la pregunta en español. Sí, de acuerdo. Primero, darle las gracias por la exposición, que ha sido muy interesante y es un tema bonito, interesante, pero también muy complejo. Mi pregunta estaría más dirigida sobre el modelo económico que tenemos en la actualidad. Me pregunto si ese bien común se puede conseguir con el sistema tal cual está definido en este momento
o si cabría algún tipo de reflexión sobre ese sistema económico, cómo debería evolucionar o cambiar para conseguir ese bien común. ¿Por qué? Porque a nivel nacional hay muchos retos. Las desigualdades que está generando este sistema actual a nivel local cada vez son más grandes, problemas de regulación local, pero este problema se agrava más a nivel internacional. Los mercados internacionales no están regulados, las diferencias a nivel internacional cada vez son más grandes y, bueno, en todo este planteamiento que usted nos hace, lo que yo me cuestiono es si con el sistema actual podemos alcanzar ese bien común. Muchas gracias. Écoutez, je vous remercie pour votre question et évidemment, comme je le disais, il n'y a aucune raison pour laquelle le marché vous donne une distribution des revenus et des richesses qui soit celle que vous voudriez avoir derrière le voile de l'ignorance. Donc c'est au rôle de l'État de redistribuer de façon efficace l'argent vers les plus pauvres, etc. Alors, il y a des contraintes à ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas un État, il y a 200 États. Donc, ça veut dire aussi que les gens étant mobiles, il y a toujours des difficultés à taxer, par exemple, ceux qui créent des richesses. C'est pas toujours. D'abord, on veut qu'ils créent des richesses, mais en plus, ils pourraient émigrer à l'étranger parce qu'ils ont des meilleures conditions à l'étranger. Il y a une concurrence fiscale qui existe. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe. Mais il n'y a pas de raison que le marché vous donne la distribution des revenus que vous souhaiteriez. Il n'y a aucune raison là-dessus. Maintenant, il y a une question plus profonde que vous posez, c'est peut-on vivre avec le système actuel ? Et moi, je pense, d'abord, comme je le disais, l'économiste, le marché, c'est un instrument. Ce n'est pas du tout une idéologie, on s'en fiche complètement du marché, on cherche une solution pour réaliser le bien commun. Et il s'avère que le marché, ça crée un système d'incitation qui a certaines vertus. Il ne faut pas croire que l'homme en lui-même va se résoudre et se comporter de façon satisfaisante. Il y a très longtemps, on avait sorti le mythe de l'homme nouveau. Alors à l'époque, ce n'était pas la femme nouvelle, c'était l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, il allait se dévouer à la cause commune. Hein, il allait travailler comme un dingue, c'était Stakhanov. Il allait se dévouer, se sacrifier pour la cause commune. Et oubliant complètement la nature humaine, et alors on peut dire c'est l'idéalisme, très bien, mais quand on voit ce qui est devenu de l'idéalisme, c'est devenu la pauvreté, c'est devenu des désastres environnementaux, ça a été le goulag, ça a été énormément de choses comme ça. Donc en imaginant qu'on aurait un homme nouveau, très vite on s'aperçoit que l'homme nouveau n'existe pas et qu'on n'a pas tenu compte des incitations. Évidemment, le régime à ce moment-là se durcit parce que évidemment sa politique est en échec. Et on obtient des choses de plus en plus totalitaires. Donc c'est inéluctable. On n'a pas trouvé, si aujourd'hui tous les pays du monde, sauf la Corée du Nord, sont des économies de marché, c'est une bonne raison. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des économies, forcément, qui marchent bien. Le marché, c'est un instrument nécessaire, à mon avis, nécessaire à la vie économique. Mais après, un peu comme je le discute dans le livre, il y a énormément de défaillances, il y a énormément de choses que le marché ne peut pas bien faire et on a besoin de corriger les incitations, on a besoin de redistribuer, on a besoin de faire un certain nombre de choses pour corriger les effets néfastes du marché. Et ça, je crois que c'est la leçon. Le rôle de l'État, c'est plus le rôle de l'État ancien, c'est pas de produire des biens et services, il est jamais très bon à ça, c'est pas de créer des emplois publics. Les emplois publics, c'est pas un but en soi. Ce qu'on veut, c'est un service public, c'est très très différent. Créer des emplois publics, ce n'est pas un but en soi. L'État est là pour réguler, est là pour redistribuer, mais n'est pas là pour être un acteur en lui-même, comme producteur ou comme employeur. Je pense que c'est vraiment important. C'est une nouvelle conception de l'État qui a émergé et qui est en train encore d'émerger, et qui, à mon avis, permet justement d'avoir cette complémentarité entre le marché qui va évidemment régit toutes nos économies, et sur lesquelles, je pense, tous les peuples ont d'ailleurs une certaine réticence. C'est-à-dire que le marché a complètement gagné la guerre des idées,
la guerre des économies, puisque maintenant toutes les économies sont des économies de marché, et en même temps il n'a pas gagné les cœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore beaucoup de réticence vis-à-vis des marchés, même si ils vivent dans une économie de marché et ils n'ont pas d'autres solutions à proposer, parce que maintenant on comprend bien que l'homme nouveau, c'est quand même une illusion. On va prendre deux dernières questions. Merci, professeur. Ma question est la suivante. Au début de votre intervention, vous avez dit que nous sommes pareils aux hommes politiques et les hommes politiques sont pareils à nous. Alors, ça m'a beaucoup interpellé, je veux dire beaucoup. Car un homme est fait de ce qu'il est, son intelligence, sa formation, ses valeurs, mais il est fait aussi très vite, il est transformé par son environnement, par les contraintes auxquelles il est soumis. Or, l'homme politique, il est dans un environnement qui n'est pas sanctionnable. C'est un homme qui, à la fin de son mandat, il part, ou il se représente, mais il n'a aucune sanction s'il a promis des choses faramineuses, s'il ne les a pas tenues, s'il a trompé son monde, s'il a utilisé des chiffres faux, et même s'il a été malhonnête. À la rigueur, malhonnête, il passera peut-être un peu devant les tribunaux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là... Vous avez dit que c'était dangereux pour la démocratie de culpabiliser les politiques. Moi, je crois qu'au contraire, ça serait bon de les culpabiliser et de, je dirais, en limiter le nombre et de les filtrer un peu mieux, d'en avoir moins et mieux, parce qu'ils sont adoubés par l'élection, qui leur donne donc une étiquette de compétence qui, souvent, ils n'ont pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, effectivement, c'est quand même... Vous n'avez pas complètement tort, bien sûr. Mais la sanction, c'est peut-être une façon de reformuler vos remarques, c'est que la sanction est essentiellement une sanction de court terme, c'est-à-dire la prochaine élection. Mais la sanction de long terme, une fois qu'on découvre les conséquences des politiques, elle n'existe pas tellement, sauf pour les gens qui ont une certaine fierté d'eux-mêmes et qui veulent laisser à la mémoire collective une bonne impression quand même. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de savoir, de mesure de performance des politiques qui existe et qui est un peu fondamental dans nos modèles de démocratie. Maintenant, je ne veux pas leur jeter la pierre parce que, encore une fois, je pense qu'il y a une fraction qui commence idéaliste et puis après se laisse entraîner par leurs propres incitations et c'est normal, il faut les voir. Il y a très peu de politiques qui osent s'opposer à l'électorat. Et d'ailleurs, quand ils s'opposent à l'électorat, immédiatement on dit qu'il y a un déni de démocratie. Donc, des politiques courageuses, on n'en voit pas beaucoup pour des bonnes raisons. Et honnêtement, moi je serais à leur place, j'aurais tendance à faire un petit peu pareil. J'espère pas autant, mais c'est vrai que j'aurais tendance un petit peu à faire pareil, parce que je serais inquiet, je voudrais bien que mon parti gagne, je voudrais bien être réélu la prochaine fois, et etc., etc. Donc, et effectivement, ça mène à utiliser les préjugés de l'électorat, et ça c'est un truc sur lequel dont je parle dans le premier chapitre du livre, c'est essayer de comprendre quels sont les biais cognitifs auxquels nous faisons face tous, nous avons tous les mêmes biais cognitifs, et comment les politiques finalement utilisent ces biais cognitifs à leur propre fin. Et donc, un exemple que vous avez donné vous-même, c'est de dire, on voudrait tous avoir une vision assez rose de notre avenir, et donc un monde sans contraintes, un monde de croissance, un monde où tout va aller bien, où le réchauffement climatique se résoudra de lui-même, etc., etc., où les problèmes budgétaires de l'État vont se résoudre d'eux-mêmes, où quelqu'un d'autre paiera pour ceci, etc. Ça, c'est des thèmes qui marchent très bien. C'est-à-dire que une autre chose, c'est dans la difficulté à faire des réformes, c'est que les politiques, on regarde leurs effets directs, et on regarde jamais les effets indirects. C'est-à-dire que, prenons par exemple ce qui est populaire dans quelques pays, c'est beaucoup moins qu'autrefois, mais c'est le contrôle des loyers. Le contrôle des loyers, quand vous regardez bien, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de bien. Certaines personnes vont pouvoir avoir un loyer plus bas, ces personnes n'ont pas forcément des revenus très élevés, donc a priori, si vous restez là, sur cette idée-là, c'est une bonne politique, c'est une politique généreuse de redistribution de personnes qui ont plus d'argent, qui possèdent des appartements, vers des personnes qui souvent en ont moins. Donc un contrôle des loyers, ça paraît une bonne politique. À part que, évidemment, l'économiste vous dira immédiatement, mais partout où ça s'est passé,
Ça très bien la première année, mais au fur et à mesure, vous avez de moins en moins d'offres sur le marché des locations. Et puis, la qualité du parc se dégrade parce qu'on ne fait plus de maintenance des appartements. Et finalement, il n'y a plus personne pour les jeunes qui veulent entrer dans un appartement ou alors ils ont des taudis. Voilà, c'est le genre de conséquences indirectes. Et je dirais d'ailleurs la même chose arrive pour le chômage. C'est-à-dire que quand on parle du chômage, on parle, et je reviens un petit peu à votre question, si on voit à la télé, par exemple, des 100 personnes qui sont licenciées d'une entreprise et qui vivent un drame. Ils vivent un drame, comme je l'ai expliqué, parce que ce drame, ils savent très bien qu'ils auront du mal à retrouver un emploi similaire dans leur bassin d'emploi. Et ils vivent un vrai drame. Et ceux-là ont un visage. Et donc, protéger leur emploi, c'est un effet direct qui est plutôt bon. Mais à part que nos institutions font en sorte qu'effectivement, cette protection extrême de l'emploi implique aussi que, in fine, les entreprises ne veulent plus créer de CDI et finalement précarisent tout le monde. Donc là, on voit les victimes indirectes, celles qui n'ont pas de visage, les chômeurs, ceux qui sont en CDD, tout ça, ce sont les victimes indirectes. Et on voit uniquement les bénéficiaires indirects de nos politiques, qui effectivement, eux, sont en plus petit nombre, mais vivent un vrai drame et ils ont un visage, ils sont à la télé, ils sont dans les journaux. Et je pense que c'est très important. Et il y a d'autres biais, on a un certain nombre d'autres biais cognitifs qui sont très importants, qui rendent la conception des politiques publiques qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. C'est pas facile. Hein. Ce que je veux dire, c'est quand même pas facile d'être un homme ou une femme politique.